to slow down. But homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause they're stressing me out. They're telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec une Tassimo Sunny juste ici et je vais vous montrer comment la détartrer au vinaigre blanc. Si vous avez ce voyant rouge qui s'affiche, c'est qu'il faut la détartrer. Soit vous avez les pastilles de détartrage spéciales Tassimo, il faut en mettre deux dans le réservoir à l'arrière puis lancer un cycle de détartrage. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, vous pouvez aller la voir en description si vous préférez utiliser les pastilles spéciales Tassimo. Sinon, si vous avez du vinaigre d'alcool dans vos placards, on peut en utiliser pour le détartrage de notre machine. Donc je vais prendre le réservoir à l'arrière et je vais remplir jusqu'ici de vinaigre. Je verse à peu près la moitié en fait pour rejoindre le trait de détartrage. Je vais vous montrer juste après. Voilà, je mets juste ici et le trait de détartrage il est là. Donc on va compléter avec sa d'eau. Donc là j'ai de l'eau du robinet directement. Je la verse comme ceci. Il va m'en manquer un peu. Je vais aller en rechercher. Donc je complète jusqu'au trait, voilà, comme ceci. Et maintenant on peut placer ça directement à l'arrière de la machine. Voilà, maintenant je vais ouvrir le compartiment des capsules. On prend le T-disque spécial détartrage et ça fait également le nettoyage du circuit intégré, mais là on va s'en servir pour le détartrage. J'appuie comme ceci, je vais enlever le compartiment des tasses et il faut placer un récipient en dessous de 500 ml minimum. Donc moi je vais placer celui-ci qui fait tout pile 500 ml. Et pour lancer le cycle de détartrage qui va durer environ 20 minutes, vous appuyez 5 secondes sur cette touche-là. Et là, vous patientez pendant 20 minutes. Et donc au bout de 20 minutes, vous avez le voyant du manque d'eau qui apparaît. Vous pouvez enlever ça et le jeter à l'évier. Donc là, on va aller amener le réservoir à l'évier. Je jette à l'évier ce qui reste dans mon bac. Je viens le rincer. Voilà, je vide tout. Et ensuite, je le re-remplis jusqu'ici. Et voilà. Ensuite, je le replace à l'arrière. Et ici, je viens remettre mon récipient et j'appuie une fois. Une fois que l'eau a coulé une première fois, vous attendez que ça ne clignote plus sur ce voyant. Et ensuite, vous allez rappuyer sur la touche pour recouler encore une fois et nettoyer les circuits. Donc là, c'est bon, j'appuie une seconde fois. Donc là, ça y est, le deuxième écoulement est terminé. Je peux aller jeter ça à l'évier. Le T-disque, on le récupère et on le met sur le côté pour s'en resservir plus tard. Et je repositionne directement le réceptacle de tasse juste ici. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura permis de détartrer votre Tassimo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.